Aïe. On va danser de la tête aux pieds. Et mamacita. Aïe, mamacita. Je t'ai branché, Jenin Jen Chopra. Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Et m'a salué co-animatrice moi en Jen parce que sans lui pas gain Jen and Jen Show. Exactement. Bonjour Jen, bonjour. Moi contente comme d'habitude pour moi là. Pour nous toujours faire émission ensemble comme d'habitude. Nous pas gain choix. Ou pas faire sans moi, pas faire sans. Jen. Assois habitude. Nous avons invité malheur là, on invité Nodjol Toutok. Vous comprenez? Et c'est invité ça qui a mené un moment, son artiste de l'heure. Alors, nous lycée Richie J. Bonsoir Richie. Bonsoir Jen. Bienvenue dans Jen et Jen Show. Okay, ça fait un plaisir. Écoute, capable de nous, j'aime de là, et vraiment, c'est sûr que les gens qui nous ont suivi à Tissou, à Tissou, suivent nous tous. Parce que nous suivons l'émission en tout. Donc, okay, bon, là, soir, son privilège, qui nous a fait très content d'être là ce soir. Nous allons passer un bon moment, ça. Oh, oui, nous allons enjoy. Et en passant, qui j'en t'ai entendu parler de Jen et Jen Show, vite, vite, comme ça? Vite, vite, sur Facebook. Ouais, sur Facebook, nous avons sur Facebook. Okay. Sur Facebook, en passant, et puis, moi, Jen et Jen Show. Et concept là, moi, même tout, et non, parce que ça va rappeler Mary Mary. Et groupe évangélique. Oui, évangélique, oui. Deux Jen et Jen, comme, ah, oh, ok. C'est intéressant, j'ai cliqué, puis moi, nous faisons une interview avec Richel, Baki, Rigolo, voilà. Puis après, récemment, nous avons avec Priscilla. Donc, c'est alors, qui veut dire là, si je comprends bien, si nous ne pas vite là, hein? Ah, c'est ça. Pour dire dormi là, ça quoi c'est hein. Tu n'oublies moi. Non, jamais. Je dis à là dans Jen Jen Show là caillou. Donc, Jen, avant que nous rentrer dans tout détail émission, nous pas oublier saluer tout le monde qui a voyé show, monte tout fanatique tout yo, pas vrai. Nous connaît l'homme là, faut que nous toujours badolé. Alors tout le monde qui est République Dominicaine, Haïti, Chili, nous disons merci. Continuez à encourager Jen and Jen Show. Moi, je sens nous-mêmes pas gagner Jen and Jen Show. Shout out, États-Unis, one love, moi. Et puis, Montréal, c'est base nous, c'est quand nous, c'est là, nous fonctionnons. Puis, pas oublier, nous toujours dire, à l'abonner nous, à subscribe, bon, petit cloche en l'air, des pins qui sont sous lui, nous avons tout bon bagage Jen and Jen Show, la vie. Yes. Alors, nous bâtir, oui, là. Nous bâtir. Est-ce qu'on est prêt? Ah, plus que prêt. Est-ce qu'on est prêt? Ou sûr? Ou plus que prêt? Bon, c'est non, nous pas être oui. Non, nous pas maltraiter, mais quand même, on est. Non, pas de toxique. Non, on nous l'a pour nous parler. On parle. On nous va parler, oui, la Jen. Alors, encore une autre fois, merci parce que tu as accepté l'invitation. Et on connaît, on met toi à l'aise là où la caille. Ça fait plaisir. Alors, question que moi j'ai pour avant tout connait public là, tu aimé connait qui est ce qui Richie J. Richie J. Oh, faut bien prononcer non, Richie J. Alors, c'est sûr que public là tu aimé connait qui est ce qui est, gain pile qui connait déjà, mais on pas bailler un tient trop qui est ce qui artiste là. Et si c'est vrai non tout ça ou bien si c'est un nom d'artiste, on va faire public là parle de tout ça. OK. Et pour commencer, non, c'est non ça c'est Richie J. Mais vraiment, c'est Richard Verdieu. Richie J, fait en Haïti, il devait étudier dans la lycée Toussaint, il me levait pour le prince, bien sûr. Et après ça, je suis à Haïti, je habite en République Dominicaine. Fait 7 ans vivre en République Dominicaine. C'est là que je commençais à chanter, même je commençais à faire rap créole à l'époque, là, j'étais à Haïti. Et quand la carrière musicale, je commençais avec rap créole, Tension Hip Hop, c'était le premier groupe rap. De participer en Haïti. Après, elle a habité Saint-Domingue. Là, j'ai commencé à chanter, j'ai appris beaucoup de guitare. J'ai appris à jouer guitare, j'ai appris quelques notes solfège. Et puis, j'ai quitté la République Dominicaine. Après 7 ans, j'ai habité Montréal. Quand j'ai arrivé à Montréal, j'ai retrouvé dans la communauté haïtienne. Et c'est là que j'ai relancé la carrière créole.
à l'époque, t'es gagné qui ça qui est pas. C'est là, me lancer premier musique, moi, et musique à crawl, moi, qui commence à couler. Puis après ça, moi, mon ami, monsieur, invité me sur musique zouk. Parce que musique, c'est pas vraiment style, musique, moi, c'est pas. Musique vraiment. Donc, de la même temps, même pas penser vraiment chanter zouk. Et puis, pendant que monsieur invité me sur l'instrumental là, et puis, et dans le studio, il me dit, ah, cette fois-ci, on apprécie la musique là. Et puis, c'est là, je suis premier musique zouk, moi, qui c'est la fille que j'aime. Et puis, là, nous regardons dans la première semaine, nous avons comparé, puis la musique rap crawl, nous avons fait. Dans la première semaine, et qui me fait deux jusqu'à triple de vues de ça qu'on a fait déjà, je me dis, waouh, ok, c'est la mieux. Ben, bon, ben, c'est la mieux parce que vraiment, rap là, vraiment, c'est. On peut plus retrouver dans ce plan. Et je la choisi tout, je dis que ça, on voit vraiment qu'à suivre. Et après, je me suis sorti dans la deuxième musique zouk. Et Libre comme le vent, et c'est là que vraiment, tu vois, m'a passé comme dans Zou. Mm-hmm. C'est là que Rudy J vraiment commencé en 2015. J'ai dit pour le premier album, moi, I Was Born to Win, qui était vraiment mélange Zou, rap, parce que c'est quand tu j'aime toujours dire, nous sommes rappeurs de base. Et, mais au final, c'est sûr que Musique Zou Q est arrivé sur mon pied rapide, mm-hmm. parce qu'on nous dit rap là un peu vulgaire et tout. Mm-hmm. Et puis, c'est là en 2016, trouver voir dans ce deuxième album moi qui c'est On Air, c'est là qu'il y a plusieurs morceaux Zouk, qui vient aussi quelques morceaux Afrobeat. Et puis là nous rendu 2018, préparé le troisième album moi pour 2019. Ouais. Artiste la travaille. Mes amis la travaille parce que là on voit ce troisième album. Oui, oui, exactement. Mais moi je t'arrête mais on parle parce que non seulement moi ouais que c'est vrai ou chanter Zouk, mais ou pas juste fait Zouk, parce que moi, ou intégré ou dans plusieurs styles de musique, Afrobeat, Dancehall. Parlez-nous de ça et qui ça qui vient nous pousser à aller vers style de musique ça ou pas juste focus sur Zouk. Première musique Zouk me fait, que musique Zouk là fait que j'aime, je trouvais que très love, t'es très romantique, mais on ne peut pas oublier que ça que j'aime tout là, et me fait quand même mon parti de Vim. République dominicaine qui sont pays qui groove en pile, que tout le monde aime danser, qui est vraiment développé pour musique qui bouge en pile. Puis c'est là que j'ai la première musique qui bougeait vraiment fait, qui groove. C'était en dancehall, c'était Let's Go to the Beach. C'était la première musique groove que j'ai fait. Et puis, fini de faire la musique là, ça me fait sortir le premier album. Je me fais sur la musique dancehall, je fais. Et puis, je me contacte mon partenaire MIT, je me dis, qui a-t-il sur vous? Je me contacte mon artiste Haïti pour mettre sur ce beat ça. Je dis, j'ai plusieurs nègres en vue, j'ai Mika Ben, j'ai Tony Mix, j'ai plusieurs lots d'artistes encore. Je dis, ok, je dis, check les nègres en moi. Et puis, dans le domaine civil, j'ai écrit, je dis, en passant, j'ai pas d'inquiétude de bolac à moi, d'être crazy. Soit parce que c'est un bon contact, monsieur. Je dis, oh, pas de problème, moi, je dois être crazy en pile, je dis, moi, ma musique, monsieur. Et puis, le bon contact d'être crazy, et puis, ils ont parlé, et puis, d'être crazy très humble. Je dis, moi, ça, pas de problème, vous voyez, moi, je suis dans la bande d'André. Et puis, monsieur d'André, je dis, bon, ok, nous, j'ai rentré dans le studio, il met des voix sur lui. Après ça, j'étais même malade, j'étais à l'hôpital. J'ai dit, ah, me fais sur l'hôpital, man, yo. J'ai dit, je vais rentrer dans le studio, mets des voix à vous. J'ai mis des voix, j'ai vu la musique là, moi. J'ai vu la musique là, son nez. Il faut la musique là, on vit, il faut la vidéo à faire. Puis, je me prends en vol, à Saint-Domingue. Et puis, là, je rencontre Dominique Télémac. Et monsieur Dominique, d'être crazy, présenter Dominique Télémac. Et puis, Dominique Télémac fait une belle vidéo pour nous. Les autres beats, qui c'était la première musique vraiment. Il y a Wabdou qui mettait sur le map au Montréal. Oui, là, ouais. Ça c'est vrai parce que son très belle musique qui me dit ouais, vidéo. Au contraire, d'avoir le monde qui peut tout faire vidéo. Ça parce que vidéo est vraiment, vraiment belle. Ouais. Ouais. Non, ça c'est vrai. Mais musique, parle-moi. Son très belle musique. Même temps, je vais vous petit détail sur la musique. Ça va être tellement aimé. Et puis, histoire là, qui ça t'inspire ou écrit une musique comme ça? Ou bien est-ce que ou as vraiment parlé à tout le monde? Ou t'as aimé parler ou pas fondé? Mais bon, une explication sur lui. Parle-moi et très souvent. Et réponse souvent toujours dit à propos de parle-moi parce que tout le monde dit que c'est très sentimental, très émotif et très, très profond. Mm-hmm. Et moi, je dis souvent, ouais, non, c'est son inspiration qui vient et puis il m'écrit. Le manager me dit non parce que t'es en dépression. Oui, t'es en dépression. Donc, je dis peut-être, probablement, oui, je suis peut-être en dépression, oui, parce que des fois que je vis en séparation, tout. Donc, okay. C'est peut-être vraiment un moment de dépression.
Et vraiment, tu fais un travail dans mon air là, qui parle-moi, qui sont belles morceaux, qui sont très profonds, j'ai besoin de toi, qui sont très profonds aussi. Et toi et moi, ils sont des chansons qui sont très profondes et au vrai, et, ouais, ça fait du bien, hein, des fois. Et, en ce moment de dépression, vous pouvez bien dire. Oui, le plus souvent. En ouais. Pile artiste, c'est souvent dans le moment où on a pile inspiration. Mais pendant qu'on parle de inspiration, ce qui veut dire. Adapte toute musique ça que nous jouons sur l'album. Oui. C'est vous-même qui écrivez tout. Oui, exactement. Composez tout, vous m'écrivez, vous composez, vous réalisez. Je travaille très souvent avec beatmaker et Beats by SV. Son beatmaker, très souvent, depuis que j'ai gagné un nouveau morceau, il voit vraiment, il dit qu'ils ont avancé. Il voit vraiment, et puis, on m'entraîne dans le studio avec eux, et puis, on travaille. Très intéressant. Ouais. Mais moi, ouais, que au futur avec un pile artiste de musique, est-ce que c'est vous-même qui contactez vous pour le futur ou bien des gens qui vous proposer que vous allez chanter avec vous, tout ça? Oui, les deux, bon, et, non, c'est dans deux sens. Il y a des gens qui proposent de chanter avec vous, que vraiment, des gens bon, ben, un problème, nous faisons musique ensemble, mais très souvent, tout, c'est moi qui contacte l'artiste pour nous. En faire belle bagarre, parce que, je vous si vous regardez dans tout l'album, dans la musique, et ouais, il n'y a pas monotone parce que m'pavle juste moi-même pourquoi que ça paraît monotone. Mais chaque monde parce que chaque artiste bon touche différent et chaque artiste pour ton touche qui pour ton bagage original qui vraiment peut-être que doit tanner de temps de DJ mais son musique ça ouais mais moi ce qui suis là qui va bon bagage différent moi parce que l'essentiel juste me voulait qu'un boitif pour pourtant des chaque nouveau bagage je dis parce que chaque ça me sortit nouveau non seulement nouveau. Et m'essayer, mettre de quoi nouveau là-dedans, son moitié, son nouveau beat, son mélodie, de quoi différent. Ouais. Et pendant qu'on parlait de différent, de nouveau, moi-même, comme musique, moi, après, c'est qu'on était sorti en 2017, musique ça, ou que, qui relait de la tête aux pieds, qu'on fait avec Mister, ou chanter avec Mister J, avec mon autre artiste, tout, Saint-Anne, exactement. Une très belle musique, mais qui a vraiment un style. Afrobeat, et ça me met en chante en français, gen ti bou ki en créole, comme si t'es trouvé comme c'est ton style quand même qui t'est différent, ouais. Surtout là où est son chanteur haïtien qui a chanté, mais genre disant, en tout cas, c'est pour moi-même son très belle musique. Oui, mais il y a une raison tout qui fait j'entends dans un style ça que très souvent et gen question posée souvent pour que ça. Souvent, sans français, on va chanter. Premièrement, et souvent, je chante en français, l'inspiration vient en français, mais je m'écris en français. Et, mais par contre, je tiens à ce que, quand je suis en bout, je rajoute en créole, Parce que, vous remarquez, les artistes, ils ont commencé à faire ça en pile. Mais je vous dis, allez, je chante en espagnol complet, qui c'est Romeo Santos. La musique a commencé, il y avait le premier groupe Aventura, qui c'est le premier nom groupe là, c'était Teenager, et qui a fait Bachata en anglais. Qui pas vraiment marché après ça n'a pas essayé mais ça n'a pas essayé fait que chaque musique bachata ou Romeo Santos fait les rajoutons mon parti anglais là-dedans qui est facile que tout le monde a répété qui pour le cas mener tout le monde non mener vague là la Kaili mais tant des musiques moi parce que elle dit comme une musique ah ben you and I me and you by la bomba chata dans le sens que les fait en anglais en espagnol pour mener tout le monde qui est vraiment de la tête aux pieds. Le plus grand public. Exactement, de la tête aux pieds. Et nous faisons travail refrain. Et ça, j'aime de Québec. Dans le Québec, nous faisons un festival à Québec, Monde Carnaval. Et avec Jerry, nous travaillons refrain. Et puis, en créole, nous disons, waouh, ça va, mais par contre, je dis ça, je me disais ça parce que ça, j'entends bon là, c'est une langue là. Entre chanter là, et puis dans le festival là, nous tout le monde nous chante. Nous chaque improvisé en verse, nous l'avons souligné. Parce qu'on fait ça déjà, j'ai eu mon verse déjà. C'était nous deux seulement. Et puis nous montons, nous la gueule. Et puis nous, Jean Mounio, Rémi Refrain. Mais par contre, ça nous jeune, nous dit, qui ça veut dire? Ça nous dit, qui ça veut dire? Après, on me dit, ok, si on me dit ça veut dire, bam, mais qu'on verse en français. Et puis en français, me dit, j'ai toujours qu'un mes verse en créole. Après qu'on verse en français, mais c'est homme rajouté, verse parler en français et tout. Jusqu'à nous expliquer l'histoire et toute soirée, mais comment ça t'est, mais comment t'es, mais comment t'es. Et puis, alors à la fin, j'ai dit qu'il faut prendre un an de la tête aux pieds. Alors j'ai dit qu'il faut, hein. Je vais être poli. Hein. Mais oui. C'est vraiment intéressant parce que là, j'ai une inspiration. Assez souvent,
improvisation des fois elle est tellement paraît naturel on apprend son pour écrire aux musique ou pas qu'à je ne savais mettre et puis quand improvisation vidi on dit oh ça bon mon tout que belle c'est vrai automatique mais qui sa musique représente dans vie musique représenter comment on va dire moi-même ça représente moi-même qui est moi et vraiment ça me fait sentir moi parce que vraiment elle m'a fait musique et me sentir moi-même parce que peu importe le nombre de temps que je passe en studio, peu importe comment Rimouski, Chicoutimi, Gaspésie, n'importe quand ils sont allés, pour moi, je ne sens pas sentir son travail. Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est. I enjoy, j'aime ça. Je ride que toute la route là, je m'avais imaginé comment je fais choix. C'est ça que pourtant, le matin, je m'en vais au travail dans le job. Mon travail que des fois, je m'en vais entrer. Des fois, je m'en vais de la caméra, je m'en vais coucher ça, la cabane de la caméra. Mais laissez mal fond chaud, non. Ou pas malade. Pas malade, non. Donc ça veut dire musique, représenter moi-même. Parce que c'est moi. Non, c'est moi. Que, si je dis musique, représenter lumière, peut-être lumière qui a brisé demain. Pas bien lumière encore. Okay. Représenter caméra, caméra qui a brisé demain. Mais musique représente moi. Donc musique éteinte, c'est comme si moi éteinte. Wow. Wow. Belle définition. Mais moi-même, t'as rien, mais qu'on est avec tout ça où parler là, parce qu'on dit faire un pile futur. Est-ce que un artiste comme ça que est-ce un artiste ou bien des artistes qu'on t'a aimé faire featuring avec eux? Des artistes oui, pas un mais des artistes oui. Comme est-ce qu'on a nommé nous quelqu'un? Ah mais c'est sûr que moi-même depuis que j'ai commencé à faire musique, mon gars est un idole préféré moi c'est Wyclef bien sûr. Wyclef qui c'est image tout jeune haïtien que vraiment le gars d'un jeune haïtien qui sort de nulle part. Qui était nous, qui c'est nous-mêmes, qui c'est. Ça, c'est vrai. Qui n'existe pas pour nous, un monde qui prétend américain ou prétend français. Non, mm-hmm. c'est juste moi, haïtien, t'as côté de toi, haïtien, mais qui ont une carrière internationale. C'est sûr que moi, oui. C'est sûr, ouais, sont même collaboration avec Clef, sont. C'est un honneur. Ils sont honneur, mais oui, ils sont honneur. Ça, c'est un plus grand souhait vraiment, mais c'est sûr que tout artiste haïtien, moi, je suis pile love pour eux, je suis tout en pile. Que, Mika Ben, c'est un artiste, nous contactait déjà. Et plein d'autres artistes tout nous contactaient, ils m'ont écrit, qui ne pas répondre. Mais c'est pas grave, c'est pour autant, c'est pour le moment. Oui, parce que moi, tout. Parce que moi, tout. Chaque bague est un. Et on les verrouillait, vraiment, on n'a pas envie qu'on les garde. Qui vraiment, mais on même qui est là, c'est mettre au point que pour le chaos. Okay. Et moi, je m'apprécie ça. Parce que plusieurs artistes m'écrivent, pas répondre moi, c'est pas grave. Et les artistes m'ont écrit dans le temps. Je dis à qui répondre moi. Avant, il n'y a pas de répondre. Mais l'artiste-fille haïtienne, pas gagné. Féminin et. Féminin, ouais. Regarde, c'est féminin, même en pile. Ah, Felicia Ross, oh my god. Parce que c'est artiste, c'est vraiment. Javos, c'est vraiment un bel artiste qui, non seulement est belle, oui, très belle, et vraiment chante super bien. Bon voix. Félix Javos, c'est un artiste un vraiment, talent. Qui est vraiment pile. C'est rare pour un artiste haïtien à chanter et puis sous piano, l'a déposé solo à terre. Ouais, ouais. On nous cas jouer assez souvent la guitare là, mais avec piano, c'est. Artiste féminin, nous pas grand pile, mais par contre, vraiment, ça nous gagne très exceptionnel. Oui, c'est vrai. Nous avons pile là pour nous mettre tout, que Richel, vraiment cap. Très fort, très belle voix. Et dans le monde rap, Eude, qui sont artistes vraiment pile, oh oui. Qui est vraiment mon grand Eude. Donc Eude, moi, je me rends avec comme waouh, elle est plus belle en vrai. Moi, elle est plus belle en vrai que dans la vidéo. Hein. C'est chargé. Mais c'est pas occupé là, ils sont. Non, mais là. Si Eude acteur d'eau là, elle a pas un compliment avec les non, elles parce sont que... belles d'après. Oh, bah, bif avec Master Brain. Master Bing lancé déjà. Master Bing t'a lancé pour eux. Ah, bon, pas je vais reculer. Mais, car il y a tellement bien passé, comme tout ça, moi, je vais en boucler en pile avec rendez-vous. Décembre. Vous comprenez? Jusqu'au 2019, où je vais pris. Ok.
Parce que mon grand pile activité là, il y a plusieurs événements. Donc, t'as aimé pour parler de événements ça. Parce que c'est sûr que mon capteur de nous, parce que vous connaissez nos grand pile Montréal tout, capteur de nous, c'est sûr que vous t'as aimé connaît pour mon qui connaît avec ça qui pas connaît, vous t'as aimé peut-être aller assister à le connaître plus qui est-ce qui est. C'est sûr que pour le prochain événement, ma bien Montréal, c'est un peu le 8 décembre. À part ça, et fin de semaine, ça, je suis à Québec. Je vais marquer Québec. Oui, c'est ça. Moi, je suis allé sociaux. Ouais, et puis après, après ça, je vais deux autres semaines à mois de novembre. Vraiment, je vais focus vraiment sur ce projet, sur projet album qui a fini. Donc, je vais commencer à shooter des vidéos le 18, la fin de semaine qui suit. C'est encore en procédure. C'est encore. On a balancé pour nous qui en fait ça. Et puis, le premier, Kilimanjaro, nous allons à Toronto. On va aller pour nous répondre. Si on prend tous les trophées, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est très important. Très et puis important. Le 8, et nous avons DJ Reddy Silly qui a fait des fêtes qui est moi qui invite mon pâtisse invité. Le 15, probablement, on va faire un café, on va inviter moi. Et le 21. Et le 26, tout. Ouais, le 21, il y a un hommage à. Le hommage qu'a fait, bon hommage, mais son spectacle bénéfice exactement. On verra avec qu'on est radioartiste. Exactement, ouais. Soit qu'a organisé l'île. Et donc, c'est Zion qui a organisé l'événement, mais lui c'est dans radioartiste actuellement. Et le 26, le 27, ouais, Fab Grill qui a fait. Mais moi, c'est ça, moi, le 26, pour le 26 décembre, ça soit l'événement qu'a fait ici parce que c'est dans Fab Grill. Ouais, Fab Grill, c'est à Montréal, exactement. Exactement, alors je veux dire, pour moun qui voulait. Le 8, avec le 26 Le 26, le 21 tout, le 21 parce que son belle œuvre de charité, le 21 tout ça. Alors que tout le monde vient encourager, c'est sûr que n'a pas de l'information. Par contre, il y a des dates nouvelles parce que ça arrive. Non, ça peut arriver, mais si on a besoin de billets pour garder, pour billets, très souvent, je me dis, mon sur Facebook, Richie J, sur page. Richie J, ou bien sur la page Facebook, Richard Verdieu, ou bien tout le monde qui a écrit Elisabeth Drapeau sur la page Facebook. Oui, il a écrit nous, sans problème. Nous-mêmes, depuis nous avons contact avec Billet, nous avons fait un transfert billet pour lui. Nous pas nécessairement un billet dans nous pour nous prendre, non. Nous toujours qu'avec transfert, si nous avons pour nous. Parce que c'est vraiment intéressant. Et puis moi, tu as là, ou glisse au mot, parce que non seulement où là, je dis, hein, pour nous parler de Richie J, tout ça nous besoin qu'on ait plus artistes. Mais, un bagage spécial qu'a fait, et ça faut nous parler de lui qui est très important, ou en nomination dans trois catégories, dans Music Awards Kilimanjaro, qu'a fait dans Toronto 1er décembre 2018. En plus, le bagage passé dans la vie. Ça. Non, mais non, non, je t'ai compte. Et, j'ai là ça me dégueule la caméra sur travail et puis et non là ça me donne la rime avec Saint-Dom nous sommes ensemble et puis manager voit un message moi il dit en passant j'ai venu recevoir voici le courriel que j'ai reçu il dit mais mes courriels moi je sais pas il dit vous nominé là qui ça il dit ben Toronto et nous te contacter Toronto pour qui ça pour qui qui bagaille pour qui raison, nous t'es contacté, non, mais moi je vois le courriel là, et puis on s'est dit ok, on va me contacter pour me rassurer vraiment c'est de quoi qu'il parle, pour nous connaître vraiment. Si c'est ton périmètre, c'est ton bagage. Voilà, et puis oui, là on s'est contacté parce qu'il a quitté le numéro de téléphone pour nous révéler, et puis on s'est révélé, oui, et félicitations, et mon artiste a été nominé dans les trois catégories, best artiste, meilleur artiste masculin, meilleur vidéoclip, et mais voix masculine. Oh, ok, wow, ok, merci. Il dit ok, parce qu'il dit, il dit, vous voyez, il met la panneau. Il dit en attendant, il faut attendre jusqu'à, soit nous recevons un email là, quoi, non, jeudi ou vendredi. Il dit non, et attendre soit jusqu'à lundi pour nous commencer, dimanche à voter pour nous parce qu'il n'y a pas déjà pour aujourd'hui. Il dit ok, après, il est tellement content, il dit oh my god, ok, c'est big, c'est. Parce que vraiment, m'ba au courant dans rien. Et puis les malgardés vraiment ils mettaient nous dans trois catégories de nominés et jusqu'à date nous bah il a bien avancé là que nous en avant et dans deux catégories
bon Camerounais, mis en feu. Mis en feu, mis en feu. Nous ne pouvons pas faire. Nous invitons tout le monde pour aller voter pour étudier sur www.kmdradio.com qui c'est Kilimanjaro Award. Vous pouvez cliquer sur, dans toute catégorie. Vous pouvez faire best vidéoclip, best artiste masculin, best voix masculine. Oui, meilleure voix masculine. Meilleure voix masculine, exactement. Meilleure voix masculine pour voter pour moi dans trois catégories. C'est sûr que j'espérais vraiment gagner trois trophées. Pourquoi pas trois? Oh, il est bon, oui, toi. Mais oui, toi, nous pas peur. Et puis ça qui fait dans ça, nous n'avons pas voté chaque jour. Oui, chaque jour nous avons voté. Nous avons voté chaque jour. Chaque jour, nous allons sur ce site-là, nous voter pour l'artiste. Nous avons le droit de voter chaque jour autant de fois que nous capables. Et puis aussi, tout le monde mentionner, c'est ce que l'adresse que Richie J. Sotbanan n'a pour lui. Et dans ba émission sous côté dans l'émission il est fini n'a joindre l'émission fini n'a joindre toute coordonnée façon pour nous aller voter alors encourager parce que son belle music award qui reconnaît artiste ça li important nous même haïtiens faut nous supporter par nous c'est très important parce que c'est un art et puis m'ai capable dit tout là où nous haïtiens pareil nous a progresser à pas avancer comme ça tant que Jason dit faut pour encourager parce que ça pas arrivé souvent moi me connaisse de gros artistes qu'on pas bagarre haïtien qui gagne non yo pas dans catégorie ça ne pas dans ça même alumine même comprendre avec dit le monde n'a fait mon bagarre là encourager parce que les jeunes ils dans domaine là et s'il pas faire bien il va t'a une invitation et parce que ouais bon et son fierté la pied pour nous s'il venait avec tous les trois trophées ça bon même s'il va t'a récolté toi mais t'a venir avec lui oui. Son fierté lui à moi même déjà connais que l'a venir avec même au moins deux même d'arrêt mais tous les trois même que t'a confiance gent moi sûr parce que déjà en avance continue voter pour lui et puis devant les manettes. Oui, de bonne volette, on va faire back. Mais moi-même, ça que je voulais, on est comme si awards ça. Oui. Okay? Est-ce que son awards comme si. Qui genre que. Sous qui ça que. Est-ce qu'on compte sous qui ça que tu es basé pour te faire sélection ou pas prendre rien de ça? Honnêtement. On va prendre aucune information. Non, parce que je me songeais, parce que très souvent, ça arrive même que moi, sur Google, je tape musique nouveau pour moi. Des fois, vous me suivez des places, okay. Parce que des pays, des choses, ok, tel pays qui a une musique là. Et sans attendre de tomber sur l'émission ça. Côté où tu as passé une musique, Maman Sita, ok, waouh, l'émission passé une musique là. Là, c'est là que je découvre, où tu as passé une musique en fois, et puis l'aime recevoir une nomination. Hein. Et puis moi, je ne suis pas, j'en fais, ok, je me dis, ouais, ça déjà. Mais je me dis, ok, après ça, il a ça, moi, où tu as fait une musique par le mois, donc il est depuis très longtemps. Yo était quand même là et c'est une raison tout souvent me dit tout artiste but principal dans l'industrie c'est don't give up pas lâcher et oui bah c'est difficile nous pensons déjà elle est difficile mais pas contre pas lâcher parce que le moment où penser que on va lâcher à et puis c'est moment ça et qui sans attendre on dépense à vous même que vraiment que moi parce que ça me fait que on continue à pousser malgré ça autant de mauvais pas attendre on continue à pousser et gros problème qu'ils ont constaté que là où elle plus fait noir, c'est le sabre le jour. Oui. Ça, c'est pour faire grand monde la caille. L'or décourage, ça se dit, pas beaucoup, tu vois, ou qu'elle, pas beaucoup. Et puis, elle a bon résultat, elle vient pour elle, elle porte la voile ouvrir. Et bien, c'est ça, parce que musique, ça prend pile persévérance. Parce que si on n'a pas persévérance, patience, ou qu'on doit laguer en musique là où elle pas marcher, on dit, oh, mon Dieu, pas, mais là, je me décourage, je l'aime, mon Dieu, pas. Mais, on continue, garder côté le même, je l'ai dit. Oui, mais c'est ça aussi, souvent, on dit, avec un peu de monde qui voulait embarquer dans le monde musical, on dit comme ça, rentrer dans la musique parce qu'on aime faire musique, pas rentrer dans la musique parce qu'on pense qu'on va faire comme. Parce que, oui, musique, ou qu'on fait comme dans la musique. Par contre, musique, et Gomba et Lakali, faut le vraiment ou voulez faire musique. Vraiment, ou quand après, quand on coup de chance, ou font encore. C'est pas grave. Par contre, constant pour être là toujours, il n'est pas facile, ça fait qu'on pas qu'à t'attirer. Autant dès aujourd'hui, demain, on va t'attirer encore. Il va disparaître, c'est fini. Et très souvent, tout, ou quand on dit ou besoin font encore,
ou dépend son corps, ou dit ouais, faut comme la musique, ou très déçu. Okay? La musique m'a demandé vraiment pour très constant, pour pas gagner parce que le temps a changé tellement vite. Ça m'a tellement vu avec la technologie. Oui, c'est vrai. Mais ouais, musique, maman cita que ouais que vous parlez, tu vois. Franchement, ça me devrait féliciter pour musique ça parce que ce sont très belles vidéos. Vidéos vraiment nice. Et puis beat là, parce que moi son beat dancehall. C'est ça que d'avoir dit. Ou toucher non seulement ou pour une musique pour faire un style zouk, mais on entre en dancehall là-dedans. La chanson, l'autre public, c'est ça, public, l'autre vibe. Mais est-ce qu'on peut expliquer nous musique ça, qui gens que où t'es arrivé Feli, qui gens t'es arrivé joindre une collaboration et qui côté où t'es fait vidéo ça, parce que musique ça son musique quand même pendant été hein, ouais, qui roule en pile, roule sur Trace TV, roule sur mais c'est sûr que MT Eclipse en pile respect. MT Eclipse c'est premier nègre l'envoie avec les babali, il dit oh wow vidéo ça on va le publier le beau. Il doit belle main, il doit publier. Très belle, très beau. Et commenter au très positif tout. Et la musique là a commencé vraiment, et même j'en, et, comme d'habitude, j'en fonctionnais avec beatmaker. Je voyais beat là pour m'entendre. Et puis, beat là m'entendre. Et puis, je me fredonnais. Maman Sita. Donc, Karimi, moi ça sonnait. Moi ça m'a menti pour ton Karimi. Et puis, mais artiste me contacté pour me mettre sur beat ça. C'était Colonel Réel, qui c'est un artiste guadeloupéen, et Colonel Réel qui finit dire ok, oui, il est prêt pour le venir instrumental là. Au final, nous pas collaborer parce que soit qu'il était bien tourné en Afrique pour le faire et tout. Bon, ça vient pas bail. Bon, on dit ok, parce que son musique fait depuis novembre 2017. Depuis novembre 2017, musique l'a fait. Et puis, on est là. Oui, voilà, parce que les malades m'ont sorti pour printemps de 2018. Oui. Et puis, m'a sorti pour printemps 2018. Bon, après, on me dit non, musique, ça ne va pas rester comme ça. Je me suis sorti, il faut me sortir là en vidéo. Et après, ça nous tient à parler. Et puis, pendant que je regarde des vidéos, lettres to the beach, bon, ah, bonne idée, je vais remettre des crédits sur lui encore. Il me contacte des crédits. Vous voyez, mais de la bas monsieur, je me suis dit, oh my god, man, c'est bon, man. J'ai dit, oh, c'est ça, yo. J'ai dit, bam, démerciez seulement. Démerciez, je suis entré dans le studio. Je me suis dit, version par la main. Oh, c'est damn, man. Et puis, Marco Canary dans le studio, nous finissons la musique là, je me dis, comment ça va passer, man, nous allons faire un bail là. Nous allons faire notre vidéo encore. C'est fort. On aime là, man, sans problème. Je me suis dit, seulement date de pour l'entrée aux États-Unis. Pour pas descendre en bas pour programmer ici. Okay. Parce que nous avons un projet de vidéo avec Montagana, mais même j'ai fait là, avec l'aide de Toto Beach. J'ai dit date ligue avant d'entrer aux États-Unis. Si je suis venu, telle date, pour qu'il y ait une vidéo. Et je descends telle date. Je suis Dominique, je dis Dominique Télémac, et Alpha Mega Production. Je dis, je suis vidéo, même vidéo. Je dis, waouh, wow, mais c'est ça, belle, man. Je dis, je suis venu, il est beau. Venez. Je vais descendre, et puis nous rencontrer ensemble, et puis nous travaillons vidéo. Depuis avant la vidéo à sortir, c'est sûr que je me dis, musique en belle musique. Mais c'est sûr que l'impact qu'il fait, je ne vais pas attendre. Mais c'est sûr que je connais une belle musique liée parce que. Ah, mais il fait tout ton impact parce que là, il y a nominé pour Boban, il y a une belle vidéo. Oui, exactement. Mais c'est sûr que l'autre fait musique là, des fois, on attend, des fois, on ne va pas attendre. Et des fois, on va attendre déçu, des fois, on ne va pas attendre. Ça fait important. Mais c'est sûr que dès que nous faisons musique là, nous comptons de musique là, nous ramène parce que vidéo maker, ils disent bon, musique là belle. Et dans des studios, quand on travaille musique là, musique ça belle. Waouh, on est très content. Et puis, toutes les vidéos, vraiment, nous avons des gens qui fallait. Et Dominique est très féroce tout dans le tournage qui là. Il dit féroce qui voulait vraiment ça sort comme il veut. Là. Il dit non, il faut que ça saute. Il faut que ça fait minutieusement. Très strict même. Il y a un moment où il dit bon, ben vague, parce qu'il dit non, il dit très strict, vraiment, il voulait ça, il y a une scène obligée pendant plusieurs reprises. Parce qu'il dit non, parce qu'il dit non, il dit moi, ça me sourit, bam, le sourit. C'est comme c'est vraiment. Et mais où est-ce qui veut dire, mais garder le résultat là, good c'est le résultat ouais. Ça, que Liba est supposé fier. Et oui, et même après le tournage vidéo, il dit regarde, c'est tech, man, il dit ouais, mais dès que je prends plus encore, il dit parce qu'il n'y a pas oublié que nous avons un produit location dans nous, il faut l'apporter à tel. Donc c'est pour ça, mais à part ça, nous faisons une petite vidéo, je me suis dit, les nous prennent pour nous sortir, et puis il y a une Coupe du Monde.
Parce que sans même d'acheter des vidéos, mais à tout le monde en Haïti, on va tourner médiatique tout. Et après ça, en juin, c'est le commencement de la Coupe du Monde. Vous oubliez ça, là. Si vous sortez une vidéo là, là, oui, ça passe dans le vide. Et puis, la Coupe du Monde a fini dans dimanche. Ouais, lundi, mardi, mercredi. Et puis, soit vendredi, je l'ai. Et puis, je l'ai, je vais utiliser un petit clip. Un petit clip, je m'habitue à voir les vidéos. Mais les n'est pas vraiment posté. Je vais utiliser ça, je si vous reprenez un petit peu, waouh, c'est bon. Hein. Il dit, ok, cool. Il dit, yeah, un petit clip, reprenez. Okay. Mais l'autre, tu n'as pas de combo. Là, il y a un abonné. Mais c'est là pour la petite, on va pas poster pour Pounia. Je poste sous le champ, c'est tout mettre, bon. Ok, et puis, dans le premier jour seulement, on a atteint 3 000 personnes. Dans juste le premier jour, on va, ok. Et puis, 4 000 personnes. Et puis, une semaine plus tard, on a une vidéo. Regardez maintenant, le premier jour seulement, on a atteint 15 000, 18 000, mon bon. Oh my God. Et puis, après ça, on a contacté tout notre réseau. Et Station Télévision, Caraïbe FM qui voulait, Trace TV très récemment, qui fait que sortir dans Brand New, Trace Tropical qui vient pour répondre très récemment, Énergie Antique qui publiait, les Damensus, tout le réseau publié, wow. Vraiment qui c'est Vibe Créole, Magazine, comment Compa Magazine. Compa Magazine, oui. Et Groupe, Compa Groupe ça Oui. Ouais, ils ont publié le tout, oui. Et Okam TV. Écoute, wow. Il a publié tout, il a publié, bon, ok, damn. Et puis, il a contacté nous là pour nous nominer, bon, damn. Ça va être difficile, mais quand même, dans tes prières, si j'avais le pouvoir de réincarner le monde, je serais l'animal le plus fidèle pour te protéger. Oh, si ce monde m'appartenait, je te donnerais le ciel. Avec toutes les étoiles et la plus belle lune, c'est fou comme t'es belle. Vas-y, je t'en prie, parle-moi. Ça c'est du nom de votre fille là. Moi j'ai deux belles femmes à faire, c'est nous même qui fille là. Ouais, ça lui même il a fait son kill là. Ça lui même pas touché le parce que c'est pas obligé. Pas les mots qui t'a parlé, c'est Jenny Jen Show. C'est du nom de votre fille qui là. Bow! Jenny Jen Show, c'est chaud moment, c'est chaud malais, à chaud nos jours de top 3. Les t'es branché dans Jenny Jen Show, c'est pas si gâché Jenny Jen Show, vous manquez tout le travail. Jenny Jen Show, nous déjà connu tout ça, les chauffants, chaud nous tout. Mais c'est pas seulement ça, Jenny Jen Show, c'est vous t'es branché parce que c'est pas un jour de top 4. Chaque monde a une façon, chaque monde a un rêve. La vie, il faut faire attention, même si pour l'aimer, nous voulons l'aider. Chaque monde a un temps, chaque monde a un temps, chaque monde a un temps. C'est chaud, yeah. Chaud moment, chaud malheur. Mais pas l'autre, le même, c'est le même. Chaud, tout le temps. Sans pas brancher, chaud, ça va faire pile bagaille. Azoblet.